Mesdames et messieurs, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Mémé Lewat et Huguette The Power. Huguette, est-ce que t'es chaude? Oui. Huguette, est-ce que t'es contente d'être là? Oui. Huguette, est-ce que t'as bien travaillé? Oui. Est-ce que t'es prête à m'envoyer? Oui. Ça m'a l'air, on était très bien. J'y perds. À toi de jouer. Parce que pour nous, on sait qu'on est dans la place, mais alors... Paris, est-ce que t'es prêt? Grand Rex, est-ce que t'es chaud? Gisbert, est-ce que t'es content d'être là? Oui, grave. Est-ce que quand tu parles dans la vie, tu parles toujours comme ça? Non. Je peux leur demander, je sais pas. Are you ready? Are you ready? Je veux dire, are you ready? Are you ready? Ça va faire aussi. Do you love Huguette? Do you love Huguette? Do you really, 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 really love Huguette? Do you really, really love Huguette? Gilbert, ça va pas? Mais non! Mais c'était juste parfait, mais t'as juste oublié. Come on! Do you want? Come on! Yes. Come on, Mémé! Come on, Mémé! Il est aimé une poupée, une poule! Huguette, tu crois que tu vas chanter assise, là? T'as fait 4 heures de route dans le bus, t'as été assise pendant 4 heures, et tu crois que tu veux rester assise? Bon, le premier rang, c'est OK. Les commandes de vous. OK, commandes d'aimer. À Java, il était né une poupée, une poupée si jolie qu'on lui dit un bijou, un joujou qu'on adore et qui rend fou un étranger en passant la voyant. Viens danser, viens donner des baisers.
Bien ou bien? Bon, on va prendre un peu la température là. Alors, Maria. Ça va? Tu kiffes d'être là? Je kiffe. Pas mal. C'est vrai. T'es sûr? Est-ce que tu kiffes le Grand Rex? Je kiffe le Grand Rex. Est-ce que tu kiffes la scène? Je kiffe la scène. Est-ce que tu kiffes tout? Je kiffe tout. Maria. C'est bon ça? Mais j'ai peur, on est bien là quand même. Grave. T'es content d'être là? Grave. T'aimes bien chanter aigu? Grave. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Tout le monde va bien ici? Oui. Cécile, ça va comment? C'est marrant parce que Cécile, pendant tout le trajet, elle savait pas où on allait. Alors on lui a expliqué que c'était Paris, puis après, bah, elle oubliait. Donc on lui a dit, on va chanter. Et puis après, ah bon, on va pas se balader? Non, non, on va faire un concert. Et puis bah maintenant, tu vois, on est en train de faire un concert au Grand Rex. T'aimes bien? Oui, ça va. Bon, bon bah voilà, ça va, c'est bien. Bravo Cécile. Marie-Madeleine, pour toi c'est comment là? C'est bien, très bien. C'est magnifique, hein? Parce que lundi, t'as eu ton cadeau d'anniversaire. Ah oui, ah bah non, c'est pas encore. Ah bah non, c'est pas encore. Bientôt 92 ans, mais t'as dit qu'à l'aube de mes 92 ans, le 12 avril, elle s'est retrouvée sur le plateau de France 3 en direct lundi matin, elle s'est levée à 4h30, et ça faisait 4h qu'elle disait à la veilleuse, c'est maintenant qu'on se lève? Non, 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 vous avez encore du temps, Marie-Madeleine. En tout cas, c'était chouette, hein? Ah bah oui. Eh, on peut le dire que c'est quand même, d'être ici, c'est... Alors c'est le trou de la balle. Yeah, on a rien à dire. Pour vous aussi, c'est le trou de la balle, Patrici? Oui. Bon, alors la prochaine chanson, c'est une chanson d'un groupe canadien qui est passé au festival au fond de la rue chez nous en Mayenne. On a commencé, on est arrivé là grâce à ce festival. Et Julie m'a dit, tiens, le groupe, les Cowboys Fringants, est passé ici. Au festival, ils ont mis le feu, ça serait bien que vous repreniez une chanson des Cowboys Fringants. C'était pas la plus facile parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de paroles et on est ravis de la chanter parce que ça parle du temps qui passe. Et il paraît que vous dites souvent qu'il passe trop vite le temps. Hein. Ouais. Bon. Troisième rang. Are you ready? Ouais. Vous êtes prêts? S'évanouit, nous serons.
Ton histoire ou pas? Ah, il paraît qu'elle est là, ta fille. Bon, alors dis-nous tout. Voilà, quand je m'en irai au ciel, tu mettras mon étoile dans mon cercueil. Ah oui, je vais me laver. Parce que c'est moi qui l'ai deviné, l'étoile. C'est Noëlla qui a eu l'idée. Est-ce qu'on pourrait pas avoir des étoiles? Merci de ta promesse. Ouais. C'est promis. Ta fille qui est venue, super. Non, c'est pas encore. Mais pas tout de suite, t'as raison. Hein. Il faut pas l'oublier, surtout. De toute façon, Noëlla, c'est pas pour tout de suite. T'as dit que t'étais rendue à 90 ans et que t'avais envie de chanter jusqu'à quel âge? 100 ans. Ah, voilà. Ça va, 92 ans. 92 ans. Ah oui, pas 90. Moi, je te vois toujours plus jeune, Noëlla, c'est pour ça. Bon, alors, Madeleine, toi, tu dis que t'as 94, mais en fait, t'as 93, non? 14. Ah, ça y est. Mais c'était quand son anniversaire? Ça n'est pas arrivé encore, moi non. C'est bien ce que je pensais. Ok, bon, voilà. Madeleine, quand je t'ai vu la première fois à la répétition, t'avais pas de sourire, t'étais en fauteuil, et tu voulais pas revenir à la deuxième répétition, j'ai insisté, et j'étais trop content que tu reviennes, tu te rappelles peut-être pas. Mais en tous les cas, je suis trop content parce que maintenant on va pouvoir chanter tous ensemble, et t'as même plus besoin de fauteuil, donc on va pouvoir y aller ensemble. Tu viens? Alors attends, on va garder la canne, tiens, on va... Tu viens chanter avec moi. Big up pour Madeleine. C'était il y a 2 ans en plus. Bon alors, en fait, on va pas chanter les étoiles filantes une deuxième fois, donc je la reprends. Je te donne le micro, oui. Tu parles bien dedans. D'accord. Est-ce que tu sais ce qu'on va chanter? Non. Le petit bal perdu. Ouh. Big up pour Madeleine. T'es prête? Oui. C'était quelque temps après la guerre, dans un pays qui avait souffert, sur une piste de misère, il y en avait deux à découvert. Parmi les graves, ils dansaient dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu.
ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. C'était tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance le long du bal perdu. Oh, je ne me souviens plus le long du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux les yeux au fond des yeux. Exactement. Ils buvaient dans le même verre, toujours sans se quitter des yeux. Ils faisaient la même prière d'être toujours, toujours heureux. Parmi les gravats, ils dansaient dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus le nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. C'était sans insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance le long du bal perdu. Non, je ne me souviens plus le nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux les yeux au fond des yeux. Et c'était bien, c'était bien, et c'était bien. Et puis quand l'accordéoniste s'est arrêté, ils sont partis. Le soir est tombé sur la piste, sur ma jeunesse et sur ma vie. Il était devenu tout triste. Le petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus le nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est que ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant de lumière avec eux dans la rue. Alors la belle affaire. Le nom du bal perdu. Yeah. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'on était heureux les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. 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 C'était même. Chambé. Chambé. Carrément chambé. Madeleine, s'il vous plaît! Alors, t'as pris plaisir ou pas? Oui, merci. T'as kiffé aussi? Est-ce que t'as kiffé? Est-ce que tu as kiffé? Oui. Ouais, t'as kiffé? J'ai l'impression que tu sais pas trop ce que ça veut dire kiffer. Non, je t'expliquerai une fois. Est-ce que t'as aimé, c'est ça? Ah oui! Ouais. Bien sûr. Et bah, tu peux en profiter. Madeleine, s'il vous plaît. Come on, you get it. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Public, vu qu'ils sont, elles sont pas prêtes de you get, moi aussi. Come on, public, say yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. You get all power. You get all power. You get it dans la place. You get it dans la place. Jeunesse, t'as le power. Jeunesse, t'es dans la place. You get it dans la place. You get all power. You get it dans la place. Huguette t'as le power, Huguette est dans la place. Jeunesse t'as le power, jeunesse t'es dans la place. Jeunesse t'as le power, jeunesse t'es dans la place. Huguette, jeunesse, on est tous dans la place. Vous êtes dans la place? Gardez ça alors. Huguette, est-ce que t'es prête? Ouais. Huguette, est-ce que t'es prête à envoyer le rap du Huguette que t'as composé? Ouais.
Alors Huguette, pour ceux qui peuvent, mettez-vous debout s'il vous plaît. Huguette, est-ce que t'es fatiguée? Non. Ok. Mémé, t'es prête? Yeah. Public, est-ce que t'es chaud? Ouais. Alors on t'envoie notre rap d'Huguette. Come on. Pour Georgina, s'il vous plaît. Vas-y, Daniel, envoie. Viens. Je dis qu'avant, les toilettes sèches, c'était la neige. Je dis que maintenant, c'est un château qui fait le tour. Ouais, tu crois que c'est un château qui fait le tour? Ouais. En tous les cas, au festival au coin de la rue, c'est comme ça. Ok, Georgette, envoie. Je te dis. Je te dis qu'autrefois, on m'en faisait éveiller. Je dis maintenant, regarde ma télé. Yeah, regarde la télé, Georgette. Et la publicité, il y en a marre de la publicité. Ouais, c'est bon ça. Ouais, ok, comment t'aimer. Je te dis qu'avant, pour Froyeux, on allait au bal. Tu me dis que maintenant, on tchatche sur la toile. Je te dis qu'avant, il y avait la marmite dans la cheminée. Tu me dis que maintenant, c'est sûr, je l'ai éplat. C'est bon ou quoi les plats préparés? Ah, je crois pas non plus. Hein. Ok, mémé, vous envoyez la sauce, hein? Come on! Je dis qu'avant, fallait des bras. Tu me dis que maintenant, il y a un tambour qui brasse tout ça. Mémé, les watts, s'il vous plaît! Avec Toto qui remplace François qui vient d'avoir un bébé. Big up pour Toto! Gilbert! Par le facteur, tu me dis que maintenant on s'arrête au distributeur. Yeah. Okay. Je te dis qu'avant c'était 4 heures la capitale. Tu me dis que maintenant le TGV 1h10 Paris-Laval. Je te dis qu'avant tranquille on vivait le présent, mais maintenant on court toujours après. On court après le temps. Même vous à la maison de retraite, vous courez après le temps? Bon, vous avez le temps d'envoyer du son? Come on, mon frère, you get that power, come on! You get that power, you get it dans la place. You get that power, you get it dans la place. Jeunesse, t'as le power, jeunesse, t'es dans la place. Jeunesse, t'as le power, jeunesse, t'es dans la place. You get that power, jeunesse, t'as le power. You get, jeunesse, on est tous dans la place. Je vous ai pas trop entendu, vous étiez dans la place, hein? Ouais, c'est bon. Ok, come on, Colette, vas-y. Tu me dis qu'avant, on s'est éclairé avec la bougie. Ouais. Et maintenant, Tous les forfaits sont infinis. Ouais, voir conditions en magasin quand même. Big up pour Colette! Marie-Jo, vas-y, envoie. Je te dis qu'avant, je roulais en deux chevaux. Je te dis que maintenant, je me fais flasher dans la Marco. 100 000 chantons, 90 euros. C'est bien fait pour ta gueule. T'as raison. La doyenne Marie-Jo, elle a le droit quand même. Big up pour Marie-Jo. Ok, les filles, allez-y. Je te dis qu'avant, on épluchait tous nos légumes. Tu me dis que maintenant, car au gluten, ça file des rues. Ouais, c'est chelou, hein. Big up pour Simone et Josette. Vas-y, Noëlla, envoie quand tu veux. Je te dis qu'avant, le palais poussait la poussière. Et je dis maintenant, le robot l'aspire tout entière. Ouais, Noëlla. C'est bon, ça, top là. Tu vois. Ok. Je te dis qu'avant j'étais tout tweet devant la radio. Tu me dis que maintenant on est accro sur les réseaux. Je te dis qu'avant j'avais aussi de la...
la mémoire, mais maintenant c'est bien moins sûr. Mon père, vous trouvez pas que le projet Huguette il a redonné d'espoir un peu là? Hein? Comment envoyer l'espoir avec nous si vous voulez Huguette à tout? Huguette à tout, Huguette dans la place, Huguette. Est-ce que t'es prêt pour faire le petit dab, Huguette, Huguette? Ok, comment on Huguette fait dab, 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 dab. Bon. J'avais prévu d'aller voir Marie-Jo pour lui demander son secret de longévité. Elle a un secret, mais en fait on n'a pas le temps parce que le temps passe vite et j'ai vraiment envie qu'on fasse notre dernier morceau avec Jean. Alors j'en profite pour faire la petite pub. C'est qu'on a un film qui est sorti, qui est passé même à la télé cette semaine sur France 3. Et il est en libre, voilà, vous pouvez le voir et vous aurez le secret de Marie-Jo. Hein Marie-Jo? Ton petit secret là. Voilà, tapez Huguette the Power et en plus Arnaud Rey il est dans la salle et c'est grâce à ce film là qu'on a été repéré. Et donc vu qu'il est là Arnaud, merci de l'applaudir, il est bien là, merci Arnaud, big up. Il y a un autre caméraman qui est dans la salle, ah bah tiens il est là. Il nous a pas prévenu, c'est le maire de Saint-Denis-de-Gâtine du festival, et il nous a pas prévenu le jour du premier concert qui devait être le dernier concert, il s'est planté devant et il a tout filmé. Et grâce à Thierry, eh ben on va pouvoir passer un petit moment avec Jean. Jean, il fait partie des trois Huguettes qui sont partis là-haut. Et Jean, c'était un miracle qu'il soit là ce jour-là, parce que normalement, les chirurgiens avaient dit qu'il serait plus là 3 mois avant. Et en fait, il était encore là. Au bout de 3 mois, il était encore là 6 mois après pour notre deuxième concert, même s'il n'a pas pu venir sur scène. Et donc, on va passer un petit moment avec Jean. Jean, c'est comment pour toi? Toi, tu t'appelles Jean, c'est ça? Ce serait bien que ton micro, Mathias, il est pas loin, Mathias? Faut vraiment qu'il l'ait pile dans la bouche, parce que j'ai envie d'entendre tout ce qu'il va dire. Hein? Pile dans la goutte, comme il dirait Marie-Jo. Hein. Bon, alors, Jean, tu parles, quand je te pose des questions, tu parles dans le micro qui est devant toi, d'accord? T'es pas obligé de me regarder. Regarde le micro là. Vas-y, tu vois le micro là? Dis-moi comment ça va. Ça va bien! Jean, il était pas là aux 2 premières répétitions, il arrive à la 3e, et puis il tape le solo du dernier morceau. Tu te rappelles des paroles ou pas? Oui. Ouais, je vais t'aider un peu. Est-ce que t'as quelque chose à dire? Non. Juste à chanter? Tu te rappelles le refrain pour qu'on entende bien Huguette? Ouais, c'est ça. Il était plein de fois. Ouais, c'est ça. Ça te dit qu'on la chante? On y va? Attends, je te refais. Attends, Jean. Excuse-moi, mais c'est pas parce que Gilbert il arrête pas de dire grave qu'il faut chanter trop grave. Faut que tu remontes. Il était. Vas-y, on va. Il était une bien fois. Je t'apporte l'espoir, c'est moi.
sous ma fenêtre. Allez, le feu. Au signal. Au signal de mes amours. Quand mon chant s'élèvera, mon chagrin s'envolera. Et l'amour viendra peut-être. Elle le caressa, puis elle l'embrassa, et il se transforma en un prince charmant qui devint le galant de sa jolie maîtresse. Et c'est pourquoi depuis le prix du pays chante tout public debout avec nous, s'il vous plaît, avec nous, en commun. Aussi. Un petit salut pour le public, s'il te plaît. 1, 2, 3.
Yeah. 1, 2, 3, you get the power. Alors, on peut pas en rajouter une autre, mais vu que je suis pas allé voir Marie-Jo tout à l'heure, je vais aller la voir parce qu'elle a quand même quelque chose à vous dire. En attendant, les gars, vous pouvez préparer votre position Playmobil, vous rappelez. Mais vous asseyez pas, vous êtes bien là. Roger, tu peux rester là. Marie-Jo, tu as quelque chose à dire. Tu te rappelles ou pas? Tu te rappelles? On vous aime pas, oui. On vous aime pas, oui. Et nous, on peut le dire tous ensemble, avec notre petit cœur. On a bossé ça dans le car, dans le bus tout à l'heure. On se disait que ça pouvait être joli. C'est un peu dur, c'est de la motricité fine. C'est pas facile à n'importe quel âge. Montrez-moi votre petit cœur, là, Gilbert. Allez, petit cœur, il est où ton petit cœur? Avec ton œuf, c'est pas facile, hein, mais... Allez, Cécile, le petit cœur. Marie-Jo, fais ton petit cœur, tu sais, voilà. Et puis on leur dit, 1, 2, 3... On vous aime, Paris! Merci Jérôme et les Silver Knights qui nous ont fait confiance et qui nous permettent de vivre ce rêve. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'être là. J'ai une petite chose encore à vous donner, si Ambre peut m'amener ça, et puis peut-être avoir un représentant du Foin de la Rue, c'est ça, du festival, du festival au Foin de la Rue, qui pourrait peut-être nous rejoindre. Et d'ailleurs, il y a Julie, la maman des Huguettes, Julie, qui a eu cette idée un peu folle. On peut l'applaudir. Donc c'est la maman des Huguettes, c'est ça? Ah oui, Julie Aubry. Bonjour Julie. Ce soir, on va décerner les trophées de la Silver Economy, des meilleures initiatives dédiées au bien vieillir. Franchement, vous méritez le trophée, mais hors concours, hors catégorie, hors tout. Vous, mais surtout, mesdames, messieurs, franchement, c'est topissime ce que vous faites. Je vous donne rendez-vous, mais sans aucun problème, si on repart en 2019, 2020. Je réserve le Grand Rex, là, tout de suite. Franchement, c'est top. Donc, on vous décerne le premier trophée de cette soirée qu'on va décerner après aux professionnels du bien vivre et de la Silver Economy, à vous, au Foin de la Rue et Get the Power, bien sûr. Merci beaucoup. Ouais. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à vous de nous accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup à Pierre, aux garçons, bonjour. À vous tous, à vous toutes, merci beaucoup d'avoir cru en ce projet aussi. Merci aussi à tous les gens qui sont dans la salle et qui accompagnent le projet depuis ses débuts, sans qui en fait ce serait pas possible, toutes ces personnes en fait qui travaillent dans l'ombre, tous les bénévoles qui accompagnent Huguette depuis le début. Et la Compagnie des Arbres et des Hommes qui a porté la venue en fait au Grand Rex aussi à Paris. Et big up pour Caro qui a organisé tous les bus des supporters. Oh là là. Le CIAS de l'Ernée aussi, avec Clarisse, et puis tout le lien qui a été créé entre les EHPAD sur le territoire mayennais. C'est merveilleux tout ce qui s'est passé. En fait, on voit les paillettes et il y a eu beaucoup de choses qui se sont créées derrière ces paillettes, tous les liens tissés et du coup toutes les mutualisations qui vont faire qu'on va pouvoir travailler pendant des années encore ensemble. Mais on fait notre dernier concert la semaine prochaine à Laval à 20h au Cinéville. Et merci à nos partenaires. Merci. Si vous voulez voir les Huguettes, discuter avec eux, avec elles, toutes les Huguettes vont repartir backstage, entre guillemets. On a réservé un restaurant. Je vous invite à les rejoindre au restaurant. C'est juste à côté, c'est la rue d'à côté. Je vous remercie vraiment d'être venus. Nous, on a un impératif technique. Là, il faut que dans 50 minutes, on démarre l'autre partie de la soirée. Vraiment super, bravo. Un grand merci à toutes et à tous. Et rendez-vous l'an prochain, promis. Merci. Hein.